Bonjour, comment vous allez? Déjà, je suis très contente d'apprendre que certains de mes frères rentrent déjà chez eux. Ça, c'est vraiment un grand pas. Et pour cela, voilà le boulot que on demande au gouvernement de faire. On demande à ses dirigeants de faire. C'est un très bon boulot. Voilà, on espère que ça va continuer parce que ce n'est pas seulement en Libye, je ne sais pas. Ce n'est pas seulement là-bas que nos frères souffrent. Ils sont au Koweït, ils sont au Liban, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont dans plein de pays, je ne connais même pas, mais ils sont partout. Donc si vous pouvez franchement vous mobiliser comme ça pour les faire rentrer, pour faire rentrer ceux qui veulent rentrer. Parce qu'il y en a qui veulent toujours continuer, mais ceux qui veulent rentrer, s'il vous plaît, faites-les rentrer. Ça, c'était un petit clin d'œil par rapport à mes frères qui sont en train de rentrer. Les gars, soyez les bienvenus à la maison. Je suis très contente pour vous. Voilà. Quelqu'un m'a posé un problème et ça m'a fait penser que peut-être je devrais encore commencer à faire des vidéos sur les réponses aux questions. La personne dit qu'elle utilisait le Lesso White avec un tube qu'elle a acheté et qu'elle a mélangé les deux et puis ça l'a éclairci. Ensuite, je ne sais plus c'était quoi le problème encore là. Bref, puis elle a changé parce que je crois qu'elle a eu, je ne sais pas quel problème elle a eu avec, je ne me rappelle plus. Mais elle a changé pour prendre Françoise Bedon, je crois. Françoise Bedon qu'elle a utilisé. Et elle n'est toujours pas satisfaite maintenant, elle cherche une solution à ce problème. La raison pour laquelle je fais allusion à ces produits et la raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, ce n'est pas particulièrement pour parler de ce problème qu'elle a, mais c'est pour parler de la combinaison déjà qu'elle a faite et également de la solution qu'elle devrait adopter. Déjà le So White contient de l'hydroquinone, pour ceux qui ne savent pas. Le So White contient de l'hydroquinone et quand vous le mélangez à un tube acheté sur le marché, je ne sais pas quel genre de tube vous avez mis dedans. Moi, j'appellerais ça un cocktail qui représente une bombe à retardement. Donc, attendez, voir ce que votre peau explose d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quand elle change pour prendre, comment elle a appelé ça, Françoise Bedon. Françoise Bedon n'est pas un lait réparateur. Françoise Bedon, c'est un lait éclaircissant simple, un lait qui est pour personne qui n'a pas de problème également et qui ne va pas forcément aussi à tout le monde. Donc, forcément, il y a déjà un mauvais choix de produit et avec des conséquences. Et en plus de ça, parce qu'elle me dit qu'elle pense que le sérum agit lentement parce qu'elle voulait une solution aussi rapide. Voilà encore un autre mot. Je dis déjà, sortez souvent de votre tête le mot vite. Vite là, c'est ça qui vous amène les problèmes. Donc, allez doucement et sûrement. Maintenant, ce que je voudrais lui proposer, comme d'habitude, je voudrais lui proposer déjà une huile nourrissante. Je ne sais pas si je vais essayer de faire le montage de cette vidéo pour faire passer l'huile. Donc, une huile nourrissante. Ensuite, qu'elle prenne le lait 55H+. Je suis désolée, mais c'est le lait que je propose le plus parce que c'est un très bon lait réparateur. Et en matière de lait réparateur éclaircissant, j'en connais pas vraiment beaucoup. Je dis ce que je connais. Je connais pas beaucoup. Vous pouvez trouver des laits réparateurs peut-être, mais ça ne repart pas comme vous pensez. Parce que le lait 55, lui, il enlève également des taches que vous pouvez avoir et puis corrige la peau. C'est-à-dire qu'il vous ramène la peau à la normale, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'avez jamais utilisé le produit auparavant. Et après, vous pouvez commencer à utiliser ce que vous voulez. Mais c'est important de savoir que quand la peau a déjà pris ce genre de coup, il faut la réparer. Il faut la réparer et il faut choisir un bon lait réparateur. Je suis simplement désolée parce que je ne connais pas beaucoup de peau. Si vous connaissez d'autres produits qui reparent, qui sont des laits réparateurs éclaircissants, autres que le 55H+, vous nous faites aussi savoir. Moi, je dis ce que je connais. Donc, et comme je dis, ce n'est pas une question de publicité. C'est une question de ce qui marche. OK? Donc, j'espère que voilà, ça va répondre à son problème et que voilà, l'huile va empêcher que la peau continue aussi à se dégrader, l'huile nourrissante et aussi comme j'avais dit, quand la peau perd sa vitalité et tout machin, c'est important de prendre cette huile. Donc voilà, à peu près, on se dit à la prochaine, bye bye.